Ok, nous voilà encore pour une nouvelle aventure. La 47e. Ça commence à faire. Quasiment une cinquantaine de scénarios di différents. Avec des différences, ça c'est quand même pas mal, hein, entre des alliés, des neutres, des plaques de pression. Des objets à détruire pour gagner, les canons à détruire et après il faut partir. Il y a quand même pas mal de choses. Tenir des runes, il y a beaucoup de choses différentes. C'est très intéressant. Donc là, on avait fini les savasses, des monts de feu là où il y avait de la lave. Et on va essayer d'attaquer les autres. Alors, je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit la lave. Alors maintenant, il me semble que quand même, on a aussi débloqué quasiment toutes les reliques. Alors celle-ci, c'est celle où j'ai perdu. Celle-ci. Ouh là, là il y a du canon. Tous les adversaires dans toutes les salles, ça risque d'être très 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 dur, ça. Plus il y en a beaucoup. Alors non, moi je continue mon aventure avec eux là maintenant. On va essayer de gagner l'épée là. Alors je pensais que les bots c'était assez intéressant là, les bots qu'on a gagnés au scénario précédent, mais finalement ces bots, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un déplacement de 4 au lieu de 6. Mais je m'étais dit, bah c'est bien, parce que ça, en plus des bottes normales, tu peux faire des déplacements de 6. Sauf que non, ça prend l'emplacement d'une botte, quoi. Eh oui, ça prend l'emplacement des bottes. Donc un petit déplacement à 2 plus ces bottes, ça fait pas mal. Alors que là, bah, ça fait que des déplacements à 4, en fait. Moi, j'aime bien avoir peut-être des déplacements à 6 certaines fois avec mes cartes à 4. Ça pourrait être intéressant peut-être pour bricoleur, mais bricoleur, comme il n'a pas saut, lui c'est bien d'avoir saut. C'est celle-ci qu'il me faudrait. Enfin, des bottes qui puissent en plus donner saut. Mais bon, allez, on repart à notre aventure. C'est quoi ça? Ah, en tout cas, on fait pas de rencontre. Pas de rencontre. Alors, on se dirige vers le nord depuis l'imprévisible et vous voyez le mauvais temps au loin. Il y a un ciel clair dans presque toutes les directions, à l'exception d'un nuage sombre et mobile droit devant. De toute évidence, les savasses qui le contrôlent n'ont pas peur d'attirer l'attention. Votre progression ralentit à mesure que vous vous rapprochez du centre de la tempête, jusqu'à ce que vous remarquiez une petite poche avec des vents plus faibles autour d'un groupe de cairns à l'est. Il semble que cet ensemble de monticules renferme le temple que vous recherchiez. Les savas doivent être à proximité. Attention, on va rentrer donc dans un temple. Le point de vie afin de désamorcer ou causer le déclenchement d'un piège pendant votre tour ou pendant celui d'une de vos invocations. Ouais, ça peut être ça, ouais. Utilisez des objets dont vous êtes équipé un nombre de fois égal ou inférieur à votre niveau plus 2 lors de ce scénario. Donc il faut utiliser. Je suis à 9, 11, c'est impossible. Ouais, aucun de vos. Hein, j'ai pas regardé combien. Ça faisait que 3 XP. Oh. Alors il faut détruire tous les hôtels et. Et deux élémentaires, il me semble. Je vais vérifier ça. La clairière à l'extérieur des cairns est remplie de démons qui vous attendent. Mais il n'y a pas de savas. Bah, lui, c'est quoi là? Ah oui, c'est pas un savas. Il y a deux chambres à explorer. Vous devrez peut-être vous séparer si vous souhaitez vider le donjon assez rapidement. Oui, on dirait qu'il peut y avoir des cristaux des deux côtés. Ah, ça, on a déjà eu un scénario où il y a deux portes en fait.
Là par contre j'en vois pas, j'en vois qu'une. Ah si, deux portes. Une ici et une en face. Ça c'est quoi? Terrain dangereux, 3 dégâts, 3 dégâts. Là aussi 3 dégâts. Ah, bizarre, il y a quelque chose qui gêne là pour nous dire. C'est tabulation. Là c'est déplacement 2 et ça. Non, là quand je passe là-dessus, non, il n'y a pas de dégâts. C'est vraiment là. Ok. Il y a nos petits bonshommes là, 9 dégâts. Détruisez tous les hôtels, éliminez 2 vents de glace, Savas. Vents de glace, Savas élite pour gagner. Là, il n'y a pas de vent de glace. Hein. C'est des démons du vent. Des démons de givre. Ah, ça doit être. Il doit y en avoir un dans chaque pièce, je pense. Alors, lui, on pourrait le bloquer. Bon, déjà, on va faire notre classique. En espérant qu'on joue assez tôt. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, il faudrait au moins que je me mette là. Ouais. Épineau, portée 3, il va falloir qu'on essaie d'attaquer. Bon, on va essayer de tuer lui, hein. Sauf qu'on va se mettre à portée 3. Hein. Voilà, on va se mettre là. Sauf s'il joue avant nous. Non. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il fait, le démon du vent? Il attaque à 4, à 3. Et il attire de 1. Et lui, il se place de 3 et attaque à 4. 3, ouais, ok. Il va pas nous faire de dégâts. À nous. Oh mince. Ah, j'ai pas pensé à ça. Après, je me déplace. Ah, là, il y a quand même. Ah, aussi, il y a quand même 3 dégâts. On va pas se déplacer. Ou alors, je prends mes potes. Ce serait bien que j'aille ici. 1, 2, 3, 4. Avec mes potes, je vais où? Ah, pas beaucoup plus loin. Un coup de déplacement 2. Donc, il va pas se déplacer là. Ah mais là, ça me fait... Ouais, non, 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 non. Bon, on va... Il se déplace, lui, il déplace de... Non. Portée 4. Pardon, donc il va devoir s'avancer. Lui, est-ce que j'ai bien vu? 1, 2, 3. Il va venir là. Il va venir là. Donc, si moi j'arrive... Ouais, après il va falloir que je fasse peut-être ça. 1, 2, 3, hein, il va passer là. Il a combien de cibles? Une seule cible. Et il joue avant. C'est place de 4. Bah, on va essayer d'aller par là. Peut-être avec mes bottes. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va essayer d'aller là. Et on va récupérer la carte là pour jouer tout quand même. Bon, même si je la dépense peut-être un peu tôt. Super, super. Super. Alors, non, ça me sert à rien. Non, je vais me prendre que 2 dégâts. À nous. Et on va, normalement, on lui fait sa fête à lui.
Non, je me déplace. 1, 2. Ouais, là c'est bon. 1, 2. Ouais. Ouais. Et après, je suis à proximité de la porte, donc c'est bon. Et nous, on va se déplacer. Peut-être assez tôt. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas forcément. Il faut un gros déplacement, en fait. Comme j'ai le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais. Je pourrais arriver là. Et on se fait un petit soin. Peut-être pas idiot, un petit soin. Ouais. Donc l'autre, il fait pas grand-chose. Ok. C'est d'abord moi. J'aime pas voir le décor après. Ça, on pourrait le désactiver. Je sais pas comment on peut faire pour le désactiver. Parce que ça m'enquiquine à chaque fois. J'aime pas voir ça. Mince! Ah! Ah, ça m'a. Bricoleur, bricoleur. Non. Bon, bricoleur, tu vas être obligé de taper, mais tu tapes à deux. Bon, on va prendre nos. 1, 2, 3. On va essayer de le tuer comme ça. Hein. Et on va attaquer. On va t'attaquer. Et. On met un petit avantage pour essayer d'avoir un plus 1. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va essayer d'avoir un plus 1. Allez, un plus 1. Ouais, ouf. C'est bien. Tour suivant. J'ai ça, destruction aveugle. J'ai un truc à 5. Ah, ouais, est-ce qu'il y en aura peut-être? On va essayer de voir. Quoique. Ouais, c'est à distance. Et nous, il faudrait qu'on avance de moins de 2. Et avoir une bonne attaque. Là, une attaque à 4. Ouais, j'ai que ça. Ouais, je suis obligé de jouer après. Donc on valide. Mince! Mince, mince, mince. Ah, il y en a qu'un. Bon, ça c'est peut-être pas super en kikinant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se soigne de 1. Et on a porté 3. Ouais, on va essayer. Est-ce qu'il fait de l'attraction? Non. Après. Non. Non, on va rester là parce que moi c'est une attaque. Ah, c'est une attaque aussi de portée. Ah ouais, est-ce que je pourrais? Je peux passer là, mais. Pourquoi? Ah ouais, je peux pas. J'ai mes bottes. Ah ouais, je les ai déjà utilisées.
Attaque à 2, portée 4. Ouais, le problème, c'est que je risque. Bah, c'est pas grave, on va faire ça. Eux, ils sont un peu fatigants, ceux-là. Trois dégâts. Il me reste des cartes. Ouais. Laquelle serait intéressante? Est-ce qu'il y a des cartes maintenant que j'ai pu? Peut-être celle-ci là. On va juste en prendre une. C'est bon. J'ai un peu de là. Ok. Un cœur de roche. Et après j'ai des avantages. Par contre, je lui file quand même 2 dégâts. Mais après j'ai des avantages. Est-ce que déjà je peux le voir? Non, là je vois personne. Est-ce que je tente le désavantage? Sinon, je lui colle plus de... Allez, on y va. Pas mal ça. Non, j'ai besoin de rien. Là, il faudrait une attaque à 4. Ouais, bah, il y a celui-là. Et nous, une attaque à 5. On va voir. On va y jouer après, donc c'est bon. Ok. Il faut juste éliminer. Est-ce que Cœur de Roche, il essaie de rentrer? Allez, on essaie de rentrer. On va prendre les... ça d'ailleurs. Ah, d'accord. Là-bas, c'est quoi ça? C'est un bouclier. Qu'est-ce qu'il va faire? Portée 4. Lui, il fait rien. Et lui, poussé de 2, il fait rien non plus. Portée 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vole? Il vole lui? Il dirait qu'il vole, non? Non. Pas trop s'il vole. À 5 portée 6. Et il faut les casser en plus.
16 dégâts. Et puis lui, il va m'attaquer à 3. Est-ce que je vais générer? Ouais, je vais générer. Faudrait que je puisse aller là. J'ai pas mes bottes? Ah ouais. Ok, on va faire ça. Ça, lui, il va pas m'attaquer quand même. Non. Si, il m'attaque là. Ah ouais, mais portée moins 2, il pourra pas. Épouse de 2. Moi, je serais déjà sur lui. Ouais, ben on va foncer dans le tas. Ou alors on essaie d'attaquer. Ah oui, mais il faut détruire deux hôtels, tous les hôtels. Non, on va là. On va voir. Il y aurait. On va le baisser. Et on va se donner plus un. Oula. Lui, il fait rien. Il a des avantages, lui. Ah non. Purée. C'est pas une attaque à proximité, donc on fait ça. Pourquoi 4 dégâts? 6 dégâts? Pourquoi? Il me file combien de dégâts lui? 10 dégâts! Ah ouais! Non, inflige 6 dégâts. Pourquoi? Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il m'a filé autant de dégâts? Et après j'ai pas grand chose. Ouais, il sera pas. Alors on va essayer de jouer tard, on va voir. Et cœur de roche. Faire un repos court. Ah, ma main, perdre. Ouais. Pas grave. On perd et on fait un saut brutal. Ah, on joue avant. Qu'est-ce qu'il fait? Porter 4 boucliers. L'autre, qu'est-ce qu'ils vont? Démon du vent. Et, hein, il n'a pas de portée. Donc, déplacement de 4. Waouh. Et lui, il pousse encore. On va se soigner. Lui, on peut peut-être fuir maintenant. Pourquoi ça marche pas là? On
2 dégâts à cœur de roche. Mais lui, il doit avoir une perforation 3. Bouclier 1. Je comprends pas. Ah non, j'ai eu 0 dégâts. Oui, c'est mis 2 boucliers. Ça, c'est pas trop gênant. Lui, dans 3 tours, il est mort. Donc, ça m'intéresse pas. Voilà, à nous. Ouais, il faut quand même que je me fasse attaquer, quoi. Après, j'aurais pu qu'on 11 dégâts. Donc nous, il faudrait qu'on parte. Ils sont pas adjacents là, les deux. Ah, celle-ci. Ce serait pas mal ça. Ah. Il va pas me tracter. Que je peux récupérer de la carte. Ah ouais. Faut au moins peut-être que je récupère 2 cartes là pour l'action suivante. Allez, 2 cartes, on récupère lesquelles? J'ai qu'à porter 3. Ben, une rapide. C'est la plus forte que j'ai. Ah ouais, là j'ai attaque à 6. Portée 5. Ah ouais, peut-être bien celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, attaque à 6, portée 5, ça c'est pas mal. Ouais, même si je la grille, c'est pas grave. Toi, t'as besoin de rien. Je peux faire une attaque à 4. Invoquer un démon du givre. Ouh là là, il faut le tuer lui. Ah ouais, là il faut le tuer là. Quoique, est-ce que ça vaut le coup vraiment de le tuer? Une attaque à 4. Ouais, là je pourrais le tuer. Ok, est-ce que t'as besoin? Non. À nous.
Lui, il a déjà joué. Alors, comment on pourrait faire? On va faire ça. C'est bien. Attaque à 6. J'ai pas mon attaque à 2. Ah ouais. Accroît 3 obstacles. Ah, j'ai ça à 5. Ok, il attaque à 2 portée 4. Ouais, obligé de se battre. Ben, j'aurais pu lui donner 2 dégâts. Bon, t'es invisible, ça c'est pas gênant. Plus 2. Oula. Oh, bah super. Super nickel ça. Eh ben, on se carapate dans l'autre sens. Et nous, j'ai pas de déplacement. Ah ouais, déplacement à 5. Ah bah, j'ai un déplacement à 4 en fait. It is no bot. Ok, donc là, est-ce qu'on fait un repos court? Ouais, il faudrait que tu partes quand même. Allez, perdre. Il faut quand même qu'on joue 1, 2, 3, 4. Il faudra un déplacement de 4. Voilà, de toute façon, là, on va perdre beaucoup de temps à se déplacer. Et nous, pareil. Ah ouais, il faudrait jouer avant. Ah mais je suis à 74. Et là, je serais à 85. Ah, j'ai un déplacement à 4 là aussi. À 2 portée 4. Peut pas jouer. Ah, il se déplace à 4. Allez, à nous. On peut l'attaquer lui ou pas? Mince, il est trop loin. Non, annulé. Portée 4. Non. On va partir. On va plutôt partir. Alors elle est où là? La porte elle est là. C'est bon. Et après, ben après, on fait rien. Oui, on reprend, on reprend. Donc là,
Qu'est-ce qu'on voulait faire? Se déplacer à 4, bien sûr. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, bah, on va se soigner. C'est pas mal, ça, effectivement. Ah, on peut encore se déplacer. Non, ignorer la capacité. Et on va soigner qui? Le Savas. Ou peut-être le Savas. Voilà, round de 9 cette fois. On va se mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il faut de nouveau un petit déplacement pas mal à 4. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. Puis l'autre 4 ici. Donc ça, est-ce qu'on a encore du petit soin? Non, on n'a pas de petit soin. Bon, bah alors. On va faire ça. On va jouer à 71. Et puis nous, déplacement à 4. 1, 2, 3, 4. On pourrait rentrer. On pourrait faire l'entrée tonitruante. On pourrait faire une entrée tonitruante. Ouais, on va peut-être faire ça. On va essayer ça. Ouais, par contre, moi. Ouais, moi je peux pas. Est-ce qu'on patiente un tour ou pas? Est-ce qu'on patiente un tour ou pas? Ouais, parce que là, je joue à 74. Non, allez, on va pas faire l'entrée tonitruante, on va attendre encore un petit tour. Ceux-là, ils peuvent être dangereux quand même, hein, monsieur. Oh là, pourquoi ils traversent les murs? Ah, ça, je comprends pas, ça. Ah oui, parce que ça, il est là, il me voit, moi. Oula, ben on va perdre une carte plutôt, hein. Alors là, celui-là, il va me m'énerver longtemps, quoi. Oui. Ah ou alors là, attends, attends. Est-ce que je peux faire... Ah là, je pourrais pas, je pense. Non, je peux pas. Est-ce que je peux l'attaquer non plus? Non, bon, on fait ça. Ça devrait quand même bien se passer. Il reste plus grand chose quand même. Alors, repos court. Là, on fait un repos court. Allez, laquelle on va perdre? On la perd, allez. Crois que j'ai un autre à... Déplacement à 4, non?
voir avec ça. Non. Ouais, je joue après. Ah, au moins, il la bouge pas, lui. Ouais, sors ça. Sors tes démons du vent. Ok, à cœur de roche. Oula, 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 il y a encore deux pièces. Oui, c'est peut-être pas mal ça. Je peux les mettre par là. Non, je vais rester. Ah ouais, je me dis. Je vais pouvoir les mettre là quand même. Ah non, je peux pas les mettre là. Ah non, je peux pas parce que là je bloque l'entrée. Ah oui. Il fait quoi le démon glace? Il se déplace de 4, il attaque de 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, bon bah c'est pas grave, on va se mettre. Il va attaquer qui? 1, 2, 3. Là c'est déplacement combien ça? Coup de déplacement 2. 1, 2, 3, 4. Pouvoir lui filer des dégâts à lui. Là, on va se mettre là. Ouais. Ou alors je me mets là. Ou alors je me mets là. Ouais, il va se choper en plus. Ok, donc lui il est mort au prochain tour. Voire même, il est mort maintenant. Voire même, il est mort maintenant. Ouais. Super. Super tous les deux. Bon, par contre, zéro sous. Hein. Là, on n'avance pas des masses. Lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Lui, il va rien faire, lui. Et toi, tu peux pas soigner, lui, tu peux pas rien, je crois. Non. Bah, on va aller là-dessus, sur la pierre.
1, 2, 3. Il me faudrait un déplacement à 3. Donc là, j'ai saut. J'ai pas de déplacement à 3. Ah oui, mais... 3, non, 1, 2... Ah ouais, 1, 2, 3. Ah oui, bah c'est ça qu'il faut que j'ai 4 prochaines attaques. Donc je fais ça. Et j'ai pas mon déplacement là. Voilà, on va faire ça et ça. Oh. Il a porté combien? Porté 4. Ah, bah, je dois prendre 4. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt m'en débarrasser de celui-là parce qu'il va m'énerver. Voilà, il va m'énerver. Oula! Trop de chance, trop de chance. Trop de chance. Ah oui. Prendre les 3 dégâts. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de récupérer? Le crop au court. Mince, un déplacement à 4. Oh non, il faut pas. Je le perds, 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 perdre. J'ai un autre déplacement à 4. Ah ouais, c'est celle-ci. Un, deux, je pourrais aller là. Bon, nous de toute façon, on fait notre. Ah, mais je l'ai pas. Ah, je l'ai pas. Ouais, un crop au court. Là, toutes les cartes sont bien. Bah, on va faire repos long. Repos long. Toi, non, toi, tu vas te déplacer. Soin de 1, ok. Sont, ouais, plutôt soin de 3. Et on va se déplacer de 2. Celle-ci. Et nous, on va faire un repos long. Laquelle on va perdre? Celle-ci. Après, j'ai plus beaucoup de déplacements à 4, mais la salle sera peut-être petite. Ou alors je me soigne moi parce qu'après je vais me prendre 3 dégâts. Vaut mieux que j'anticipe. 3 petits dégâts. Voilà, round 13. Donc nous, on rentre. On se fait un déplacement à combien? Avec mes bottes, c'est bon. 61, on se fait un déplacement à 2. Et nous,
Ben nous, il faut qu'on se déplace, je pense. Ça, ce sera au tour suivant. Ben, 61. Je la garde. Celle-ci, bien sûr, je la prends. Et on joue à 71. Voilà. À toi, cœur. Cœur, cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il est là-bas. Oula. 1, 2, 3, 4. On va pas pouvoir. On va prendre les bottes. Ah, si. Si j'arrive jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, immobilisation. Non. Et l'autre, il se déplace de 4, il en a 3 dégâts. Et il ouais. Deux, trois, quatre. Ah là, on peut pas. Donc là, il me faut. Attends. Portée 5. 1, 2, 3, 4. Ah, il va m'attaquer. Plutôt un là. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on essaie de récupérer l'anneau? L'anneau ou ça? Ça, c'est pas mal aussi. Mais là, je me soigne quand même parce que je vais prendre du lourd quand même. Non, celle-ci. Pour jouer rapide. Bouclier, il me sert à rien. Ok, à nous. Ah, je suis pas assez prêt. Non, ignoré. Alors, ouais, est-ce que je pourrais essayer de l'attaquer, ce truc-là? Ouais, il faut que je me déplace de 2 et j'attaque de 5. Voilà. Et nous? J'ai pas un déplacement de 4. Si, déplacement de 4. J'ai pas mes bottes. 1, 2, 3, 4. 4.
Après j'ai ça. Ah oui mais c'est déplacement en bas. Ah oui, mais si je joue, oui, c'est peut-être pas mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, ouais, ça peut être bien. J'attaque à 5. Ouais, mais non. Ok, on valide. Alors, il se soigne. Fermer la cible. Ouais, mais lui, non, non, je vais pas l'empoisonner. Ouais, celui-là. Oh, oui. Oula. Alors là, j'ai fait très mal. Celle-ci. Je peux me déplacer maintenant. Je peux me déplacer. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Bouclier 4, soin 2. Ouais, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Alors on va récupérer notre carte à 13 là. Ouais, carte à 13. Un Savas. Ouais, c'est vrai qu'il a peut-être de tout soigner. Ah bien, on va juste tenir. Ça c'est bon. Pour le prochain tour, stay stun, toi. Je n'ai pas ma carte. Et j'ai pas de déplacement de 3. Si, déplacement. Ah ouais, ben non. 1, 2, 1, 2. Il faudrait d'abord le tuer, celui-là. Il faudrait d'abord le tuer. Ah, ou alors. Non, j'ai pas mes bottes. Toi, il faudrait que t'attaques lui. Ouais, tu te prendrais 4 dégâts et tu me laisses passer. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Je le prends, je le pousse. Ici. Donc je te laisse passer. Et puis toi, tu vas lui faire sa fête. 36. On peut même le désarmer. Ah ben non. On fait repos court. Non. Ok. Et on joue à 17. Et on fait éliminer, voilà. Et là, je pense que c'est la fin. Sauf s'il joue avant moi.
et qui me fait des misères. Non, il joue pas avant. Et puis il a pas invoqué. Là c'est pas super. Oh! Pourquoi il m'a mis un truc là? Pourquoi il m'a mis un obstacle là? Ouh là c'est un petit bug là. Ah oui, là c'est pas bon du tout. C'est pas grave, on va aller là. Qu'est-ce qu'il fait lui d'ailleurs? Alors là, je comprends pas. Bah oui, il était mort, c'est vrai. Bon, bah on recommence, hein. Repos court. Bah bien sûr. Voilà. Injection létale. Bon, on va prendre que 4 pièces d'or, a priori. Au cours. Bon, ça n'a pas été très... Ah, je peux quand même prendre ces sous. Pièce d'or. Victoire! Avec les hôtels détruits et les savases vaincus, tous les démons restants se dissipent. Une fois les deux sites nettoyés, les savases seront gravement affaiblis. Ben, c'est le cas. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Désamorcer ou causer le déclenchement d'un piège pendant votre tour. Déclencher un piège, ça me dit rien, mais marcher. Et puis tout le monde est vivant. D'accord. 20 dégâts à terrain dangereux, ça c'est bien. 10 démons des vents. Ça s'améliore considérablement. Maintenant, le scénario me paraît un petit peu plus facile, mais bon, est-ce que c'était le 4 de ces scénarios? 4 au lieu de 2. Un des villageois du bosquet de Brume Colline m'a donné une lame ancestrale en guise de remerciement. Jetez-y un œil quand vous pourrez. Avec les deux temples hors d'usage, les savas devraient maintenant être vulnérables à un assaut. Si nous pouvons découvrir où se trouve leur base. Ah ouais. Attendez, je viens de recevoir une missive de Tombrock. Ils sont attaqués.
Oula. Donc les savas ne doivent pas être loin, utilisant leurs propres capacités plutôt que les cristaux. Ah, ça doit être la nouvelle alors. Bon, qu'avons-nous débloqué? Aventurer, rien du tout. Rien du tout. Ah, encore une quête relique. Avec tous ces démons dans les pays, il est devenu beaucoup plus difficile de se déplacer. J'ai entendu dire, ah bah là en tout cas c'est bien sombre, j'ai entendu dire qu'un groupe d'Inos vivant près de la cloche de fer avait fabriqué des bottes résistantes aux effets du terrain. Ah, serait-ce le même groupe d'Inox qui assassine quiconque s'approche de leur campement, ou plutôt n'importe qui à moins de 100 km? Peut-être. Je suis sûr que les villageois de la cloche de fer seront heureux de les voir disparaître. Là, on va gagner des bottes, a priori. Et 5 or. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Démon de givre, démon de flamme, démon de terre. Golem, guerre d'inox, viverne, allez viverne, et après on attaque les sangs. Ah si, des canons. Alors, qu'avons-nous des places des... Ah là, par contre, celle-ci, cloche de fer, on l'a pas. Atteindre la sortie du donjon avec deux aventuriers pour gagner, piller un coffre orné pour gagner. Tous les aventuriers commencent immobilisés. Cette quête requiert d'avoir débloqué le village de départ cloche de fer. Wow. L'épreuve des éléments, éliminer les adversaires dans toutes les salles. Bon, ça, on les avait vus. Ça, ouais, en fait, c'est celle du bas qu'on a débloquée. Et en haut, laquelle? Donc, ça, non. Survivre encore, dire ou non. 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 Ça oui, c'est nouveau. Au cœur du Maelstrom. Après avoir détruit leur temple, les scélérats Savas s'attaquent à la communauté de Tombrok. Éliminer tous les adversaires dans toutes les salles. Terre fut glace, air évoluera vers fort au début du round. Là, ça doit être super dur, parce que s'ils utilisent leur pouvoir à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Vous êtes immunisé contre le poison et les blessures. Ouais, poison, ça peut être intéressant. Ouais. Et voilà, il y a un élite, démon du vent, élite. Après avoir détruit. Oh, ok, bon, bah, je pense qu'on ira essayer celle-ci. À la prochaine, on n'a pas de sous, on n'a rien. Donc, ben, on va arrêter là. Voilà. La fin de Dévotion 1. Ouais, on n'a jamais donné de sous. On est des rapias. Allez, on arrête. Au revoir.